Candidate de Koh-Lanta, le feu sacré, grâce à beaucoup amusé les téléspectateurs de TF1 et les internautes en trouvant une drôle d'astuce pour lutter contre sa phobie des insectes durant la nuit. Pour leurs trois premiers jours d'aventure, les 20 candidats de Koh-Lanta, le feu sacré, lancés ce mardi 21 février sur TF1, prennent leur marque. Découverte de leur campement, de leurs coéquipiers respectifs, des conditions de survie et des premiers caractères qui se démarquent. Et à ce jeu, Elena, la Belge de la saison, risque rapidement de créer quelques tensions de par son tempérament de compétitrice assumée. Mais alors que Denis Brognard confie que cette édition du Feu Sacré accueille moins de gros bras et plus de profils représentatifs de la population, une autre candidate risque de faire parler, Grâce, une mère de famille de 39 ans. Koh-Lanta, le Feu Sacré, le Girl Power de Grâce. Cette technicienne en plasturgie vient de l'Ain et est maman de 3 enfants. Avoir 4 hommes à la maison, si est-il la course toute la journée. Le ménage, le travail, le foot par-ci, 15 lessives par jour. Koh-Lanta, ça va être des vacances. Grâce compte mettre son girl power à l'œuvre, j'en ai marre des clichés sur les mecs qui sont les plus forts. Les femmes sont aussi fortes même si elles n'ont pas les biscottos. La plupart du temps, ce sont elles qui ont la tête sur les épaules. Je veux montrer à toutes les femmes qu'on peut toutes y arriver et que l'on est toutes des guerrières, confie-t-elle dans son portrait. Reste que sa phobie des insectes pourrait mettre son plan à rude épreuve. Koh-Lanta, le feu sacré, Grâce effrayée par des insectes car, surprise, dès sa première nuit dans Koh-Lanta, le feu sacré, Grâce va se montrer littéralement effrayée par les, nombreuses, bêtes qui grouillent sur la plage et sur le lieu de couchage de son équipe. Mais pas d'inquiétude, la solution est vite trouvée par l'aventurière de 39 ans, Grâce va s'attacher à un poteau pour tenter de dormir dans la position assise. Une technique surprenante qui a beaucoup amusé les internautes sur Twitter, comme vous propose de le découvrir ci-dessous Télé Loisirs. Elle me tue, elle est mimi et drôle, peut-on lire notamment. Mais Grâce elle me tue, visage qui pleure, à dormir assise la MDRRRN hashtag Koh-Lanta le feu sacré, Lolita, tournesol, @lolita-babnc, février 21, 2023. Grâce, je veux prouver que je suis une guerrière, que les femmes sont fortes et ont leur place dans Koh-Lanta le feu sacré, je veux pas que mon corps touche le sol, il y a des insectes, hashtag Koh-Lanta le feu sacré, xajan@xajan-ba, février 21, 2023. Grâce à l'air mimi et drôle, visage souriant, une vraie flippette des bébêtes, visage avec des larmes de joie, hashtag Koh-Lanta, hashtag Koh-Lanta le feu sacré pique. twitter.com/p7mnafg5m2, typoptv@popmoviatv, février 21, 2023. Si est-il l'aventure. Hashtag Koh-Lanta le feu sacré pique. Twitter. Comme elfbh32 vie, Pandora Pericube, février 21, 2023. Mais PTDR Grâce elle va vraiment dormir sur la malle. On est où là? Hashtag Koh-Lanta le feu sacré, ma. L8@glitchangbain, février 21, 2023. Grâce elle abuse, hashtag Koh-Lanta l'effet ou sacré, hashtag Koh-Lanta, Baronix, Moai, @baronixi, février 21, 2023. Grâce elle a compris le concept ou pas? Hashtag Koh-Lanta le feu sacré, nonojosé@nonojosé, février 21, 2023. Grâce elle va nous offrir des fous rires toute la saison, on va se régaler, hashtag Koh-Lanta le feu sacré pique.
twitter.com/iskv3kphft, blomi, licorne, @dania-bacalici, February 21, 2023, hashtag Colanta dièse Colanta le feu sacré grâce qui s'apprête à dormir. Assise, visage tout rouge, pic.twitter. Comme Fiar 477 ni, le tweetem d'immunité @tweetmimunite, February 21, 2023, grâce elle pense dormir comme ça pendant 40 jours, hashtag Colanta le feu sacré pic. twitter.com/floixque9fn, rertsalpo@rertsalpo1, February 21, 2023, c'est quoi ces gens qui veulent pas dormir par terre, qui ont peur des fourmis mais qui veulent faire Koh-Lanta, hashtag Koh-Lanta, hashtag Koh-Lanta le feu sacré, community show @riritfin, February 21, 2023, très mauvaise nuit pour grâce la pauvre, hashtag Koh-Lanta le feu sacré, Fabicho ou @fabien-baficho, February 21, 2023, grâce je l'aime trop, elle va sur Koh-Lanta et elle découvre qu'il y a des insectes, hashtag Koh-Lanta le feu sacré, mais @mildan, February 21, 2023, à lire aussi elle a le melon, la clémentine de cette saison, Elena, Koh-Lanta, 2023, agace les internautes dès le premier épisode.